Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan et Harry. Notre couple royal préféré vient d'être nominé pour les NACCP President's Awards. En fait, c'est une nomination. C'est même pas une nomination. Ils ont été confirmés pour recevoir ce prix-là. Donc, ils recevront un prix qui célébrera leur engagement humanitaire. Ça sera un prix assez prestigieux, hein, un prix qui a été reçu déjà par des personnes comme Mohamed Ali, LeBron James, le Jesse Jackson, toutes des personnalités afro-américaines qui ont réalisé des choses extraordinaires. On dit afro-américaine parce que bien sûr, Meghan Markle est métisse. Sa mère est afro-américaine. Le couple a d'ailleurs réagi par rapport à cette annonce. Ils disent « C'est un honneur, un vrai honneur d'avoir été reconnu par le président Derek Johnson et la NAACP, dont les efforts pour prôner et se battre pour la justice raciale, les droits de l'homme, les droits civils sont vite aujourd'hui comme il était il y a 115 ans. » Le couple a annoncé qu'ils se sont engagés avec la NAACP pour créer une nouvelle catégorie dans les nominations, c'est-à-dire la NAACP Archway Digital Civil Rights Award. C'est un prix qui sera donné aux personnes qui ont effectué des campagnes pour les droits civiques sur Internet. Donc, ils ont fait un partenariat avec la NAACP. Voilà. En tout cas, c'est parfait. C'est positif, c'est génial. C'est un prix annuel qui va reconnaître les leaders qui transforment et qui créent le changement à l'intersection de la justice sociale et de la technologie. Et ce, afin d'avancer les droits humains et civils. Donc, chaque année, la personne qui va recevoir ce prix recevra 100 000 dollars. C'est un prix créé par Harry et Meghan. C'est vraiment génial. Vraiment, Harry et Meghan ont dit qu'ils s'incluaient dans le changement social, dans la bataille pour le changement social, et ils font des gestes dans ce sens-là. Ils vont participer en fait à cet événement, qui sera sûrement rediffusé sur BET, et ça sera diffusé aujourd'hui sur la chaîne BET à 8h du soir. Ça sera très tard chez nous ici. Ils participeront au NAACP Award, des personnes comme Tiffany Haddish, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une humoriste comédienne américaine, Kerry Washington, LL Cool J, Morgan Freeman et Mary J. Blige, pour n'en citer que quelques-uns. Voilà. Et si vous trouvez que je fais un bon job sur cette chaîne et que vous souhaitez la soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des liens que j'ai mis en premier commentaire ainsi qu'en description de la vidéo afin de faire le don de 2 euros ou plus ou alors de m'acheter un petit café. Je remercie déjà les 29 personnes qui ont fait ce choix de donner et j'invite les autres à le faire aussi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.